Et salut à tous les amis, c'est PFRFootFR, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure d'Edward. Bonjour Kenway. C'est une jolie petite embarcation que tu as là. Je te sens un peu envieux, Hornigold. T'es jaloux? C'est parce que j'en ai une plus grande que toi? Non, c'est à cause de ce tabac jamaïcain. Je préfère encore l'espagnol. Alors comme ça, tu t'es trouvé un joli petit brick. C'est bien. Mais je vais devoir t'apprendre à t'en servir. Et à donner l'assaut comme un vrai pirate. Satch, on te retrouve au vieux village de pêcheurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Où est ton timonier, Kenway? J'aime tenir la barre de mes navires, Ben. Ça tient l'essence en éveil. Allez, il est temps d'avancer, tu crois pas? J'ai pas besoin de tes leçons. On a fait combien de prises ensemble, du temps où on était corsaire? Voilà une prise digne de ce nom. Parfait. Rapproche-nous! Une fois que t'as acculé ta prise, tu dois incarner l'autorité et imposer plus de respect que tu t'en accorderais à toi-même. Ça mettra les esprits faibles sous ton emprise. Les victimes doivent toujours avoir l'impression que tu peux exploser comme un diable et les ouvrir en deux comme des fruits. Ah ouais. Utilise tous les canons que tu voudras et n'hésite pas à lui rentrer dedans. Mais pour l'amour de Dieu, ne le coule pas. Pêcher une cargaison est chose pénible. Mais impossible. Un pavillon espagnol. Charlie, perroquet, les cacatois. Agrippez-vous. Navire. Le navire est immobilisé et prend l'eau de toutes parts. Alors fais taire tes canons. Et assure-toi de ne pas le couler. Place-toi à côté de lui. Attention, on va heurter. Tirez-les vers l'enfer, les gars. Hop là. Aïe. Thank you.
Allez, nickel. On l'a eu. On l'avait déjà fait. Et tengo un buen día, señor. Je suis le capitaine Hornigo. Et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins. Mais nos dessins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? Non, mais mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Vous pouvez répéter? Oh, nom de Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. Ok. Réparer le jackdaw. Belle prise aujourd'hui, Kenway. Encore une demi-douzaine comme celle-là et tu seras tranquille pour un an. Maintenant, on va vendre cette cargaison et récupérer quelques babioles pour ton jackdaw. Tranquille pour un an? Ce que je veux, c'est être tranquille pour toute la vie. Devenir le roi des Caraïbes. Si on a choisi de venir à Nassau, c'est justement pour échapper au roi. Alors, je serai un homme de propriété, plein de promesses. Mon Dieu, cesse de rêver, mon gars. C'est à Nassau qu'il faut vivre, pas en Angleterre. Tu ne rêves jamais de faire une prise légendaire. Un navire tellement chargé de richesses que tu n'auras plus jamais besoin de rien. Si, mais ce n'est qu'un rêve. Chacun espère trouver des dizaines de coffres de pièces d'or. Mais ils sont aussi rares que les rois honnêtes. Ok. Allez, on y va. Je passe là, vous croyez? Falaise droit devant! Je passe entre les deux, ouais. Sans dégâts. Ok, acheter la coque intermédiaire. Necesita algo? Amélioration jackdaw. Coque intermédiaire, ok. Confirmé.
La journée a été bonne. Continuons comme ça et Nassau sera la première ville où les hommes et les femmes pourront vivre comme Dieu l'a voulu. Libres et insouciants. Voilà la recette. Quelques gouttes de sang, de sueur et un bout de tissu. On n'affiche pas nos couleurs ici. On se réjouit de leur absence. Ce drapeau noir ne signale ton allégeance qu'à une chose, les libertés naturelles de l'homme. Celui-là est à toi. Sois-en fier. Je le serai. Rends-moi le document que je t'ai prêté. Si l'on veut que cette république survive, il nous faudra autant de canons que d'or. Ça veut dire qu'on va attaquer la marine. Seulement celle aux couleurs de Philippe. Pas question d'offusquer notre monarque. Tu as dû remarquer que dans ces eaux, on trouvait trois fois plus de navires marchands que de navires militaires. Aïe, des proies faciles, mais qui rapportent peu. Si tu veux faire sortir la marine de sa cachette, je te conseille de te faire remarquer. Attraper des petits poissons pour attirer les gros. T'as tout compris. Alors n'hésite pas à piller tout ton saoul, Capitaine Kenway. Tout va bien, Capitaine. Longue vue, en mer la longue vue est votre meilleur outil. Observez un navire pour connaître sa puissance et la nature de sa cargaison. Observez un lieu pour découvrir ce qu'il a à offrir. Très bien. Voile en vue. Un brick militaire à l'horizon. Tu as l'œil, toi. Tu te sens prêt, Kenway? Celui-là ne se laissera pas faire sans combattre. Vous êtes d'avis de prendre ce brick, les gars? Faites-vous entendre! Voilà le genre de raffut que j'aime! Tous à la manœuvre! Armez les pièces! Méfie-toi de la marine royale. Ses capitaines l'aiment tout autant tirer qu'éprôner. On va essayer ces barils de poudre. Ça fera de bonnes mines. Oui, bonne idée. Ferrez les manettes! En bas! Au Dristeberg! Tirez! Ferrez les voiles! On est paré, capitaine. On recharge. Prêt à faire feu. Attention, capitaine. Agrippez-vous. À côté de la cible! Larguez la grand voile! Allez, Guinée! Accrochez-vous! Les voleurs! Feu! Il est vulnérable à cet endroit! On attend que l'ordre! Prêt à faire feu! Feu! Capitaine, un coup bien placé à cet endroit! Feu! Un tir bien ajusté lui ferait traîner la balle. C'est là qu'il faut tirer. On va se briser sur la falaise. Prêt à faire feu. Capitaine, un coup bien placé à cet endroit.
Allez. Boum. Voilà. Permettront d'améliorer le navire. Accrochez-vous, on va toucher! Allez, on va prendre ce vent! Grimpez en avant! Allez! Ah, raté! On attend que l'ordre! Par là-bas, il y a un bateau, visiblement. Et où? Ici. Plus de voiles! Toutes les voiles! Fumier, perroquet et cacatois! On peut pas savoir ce que c'est. Allez, dis-moi ce que c'est. Ce qu'il y a dedans. Allez, un peu trop loin. Bois tissu niveau 17. Waouh. Alisez la grand voile. Carguez les perroquets. Hop, alors lui, non. Pouk. Allez, on se rapproche de celui-là. Bon, on va l'attaquer, même si... Il va disparaître. À ton signal, capitaine. Voilà son point faible, sœur. Mais il avait pas de métal. Bon. On va aller sur ce... Faites gonfler la grand voile. À vous au bord. Allez. Mettez en panne.
Allez, hop. Espérons qu'il y ait du métal là-dedans. Voilà. Parlez à l'officier local. Allez, on retourne à la salle qui... Il y a un autre bateau pirate. Attention. Déferlé et réglé. Profitons de cette brise, les gars. Toute la toile, plus... Allez. Fuyons ce bateau là, ce navire. Hop, on va retourner par là. Allez, allez. En panne, l'air est toute la toile. La grand voile au vent. En haut, et déferler la grand voile. Envoyez toute la toile, en route. Je pense que le danger est écarté. Attention, grâce, serrez un peu. Fermez la hune d'artimon. Toute la toile, la main dessus. Fermez la grand voile, arrisez les perroquets. Capitaine à la mer. Ah, c'est bon. Officier à la mer, capitaine à la mer, je suis là. Rien à craindre. Hop là. Oh, je l'ai poussé. Okay. Besoin de te fondre dans le décor, capitaine? Ok, acheter des pièces de bordée. Je peux monter par là ou... Non? Ok, ça m'a fait enlever mon... Modifiquement. Mmh.
paix navire. Confirmé. Ok, apparence. Vendre des objets. On va le garder pour l'instant. On va attendre, on verra bien. Impressionne, Kenway. Tu as un vrai don pour ce genre de travail. Quand on aime ça, c'est pas du travail. C'est ça. Je ferai pas toujours ça, les gars. Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peu d'influence au pays. Seigneur, tu dis vague, mon jeune ami. Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre, alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même. Ah, vous visez trop haut pour moi, messieurs. Et dire que je croyais être en compagnie de vauriens. Belle prise aujourd'hui. Comment est l'équipage, mon ami? Tous les hommes ont le sourire. Et certains parlent d'aller retrouver Master Kid pour aller s'attaquer à une plantation. Une plantation? C'est ambitieux. Et profitable aussi, si on rate pas notre coup. Aïe. On va pas le rater. Ok. Allez, à vous espérer. Perroquet, c'est parti. À toi, bonnette. Là-haut, déferlez, à vos voiles. Réduisez la toile. Capitaine, le groupe est placé à cet endroit. Ils coulent. Ils sont pas de taille face à nous. Il reste. Vous. Partir bien ajusté, lui ferait traîner la balle. Devant. Concentre-toi. Endommage-le! Oh, rechargez! On va l'avoir cette fois! Par l'enfer! C'est à côté! On a tout perdu là! Allez! On va l'aborder! Voilà. Allez, parfait. Larguez la grille, voile. Allez, Dunner. Toute la toile, il peut le supporter. Allez, on va faire cette petite mission là, cette plantation. Boots and our clothes, boys are all
ce secteur, capitaine. Où elle est cette plantation en fait? Voyons. Ok. À maman! Ce putain nous tend les bras! Comprenez-vous! Voile. À la grande écoute, rectifiez. Donnez toute la toile. Allez. Je sais que c'est un bon navire, alors prouvez-le moi. Hop là, le petit drift. Carguez tout. Audris, carguez. Fermez la grand voile. Ok. Kid. Hey, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kid. Encore qu'un gamin, mais... déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles. D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Hein. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? En grand succès. Tous les jours, des schooners débordants de sucre passent par ici, en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, tu peux t'y mener. Je dis pas non. Très bien. Cette plantation appartient bien à Beckford. Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Malgré l'indiscipline caractérisant votre entreprise, je vois que vous ne manquez pas de discernement. Ok. Make China small scale.
But the land may not. Eh non, il n'y a personne. Beaufort, Manning, avec moi. Nous en avons fini ici. Aïe, ça. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. Nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens de croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation des plus agréables. Si vous le dites, monsieur. Donnez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. Rejoignez la barre du Jackdaw. Bien sûr. Allez, hop. Captain, m'a l'air d'avoir une idée derrière la tête. Déjà vu ce regard. Peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation. Et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. On les revendra à un prix qu'il n'osera jamais demander à ses clients. Ah, un visionnaire. Ton idée me plaît. Au bonnet, je veux de la vitesse. Mais où, les gars? Je veux voir, c'est quelqu'un à toi. Cramponnez-vous. Ok, ce sont des endroits où vous n'êtes pas censé vous trouver. Les navires vous y détectent instantanément et attaquent si vous entrez dans leur champ de vision. Faut rester discret. Ces eaux sont bien. Gardez les cacatoïdes. Attendez, j'aime pas trop ce que je vois. Je les vois aussi. Agrippez-vous! Arrisez la grand voile! Carguez les perroquets! Toute la toile, il peut le supporter! Toute la toile, vivement! Allez, très bien! Carguez, vous autres! Perlez ces perroquets! Allez, allez! Un navire de guerre ennemi approche! Je pense qu'on les a semés. Je crois que c'est un cutter! Il porte les couleurs anglaises! Il a l'air d'être tout seul! Un cutter! La Royal Navy! Ils sont tout seuls, capitaine! Ah 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 c'est là qu'il faut tirer! Tu les emportes! Toute la toile! Larguez les bonnets! Allez. Attention, crasse, derrière un feu. En bas, on drisse de vergue, tirez. Plus de toile. Toutes les voiles! Défermez! Donnez de la toile! Cet homme travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les maudire. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? On y fait bouillir de l'eau? Ou autre chose? Les jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. Et c'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes.
puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre, pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau, et ça te laisse une cicatrice affreuse. Bon Dieu. Comprenez-vous ? Une tempête là-bas, capitaine ! Au bonnet, je veux de la vitesse ! Les ferlés, huniers, perroquets, cacatois ! Gardez les huniers et les perroquets ! Mauvais temps par là-bas, capitaine ! Ok. C'est risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le Jackdaw. Ohé, là-haut ! Ferlez tout ! Hop là ! Allez. Allez, vite. Ce désordre. Une petite fête, monsieur. Rien de plus. C'est l'anniversaire de Wilmington. Ils vous ont profité pour vous saouler durant le service. Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doubler, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi, et par des pirates. Mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Never mind. Quoi là-bas ? Réveille-toi ! Souviens-toi que tu as un travail à faire ! Mes excuses, monsieur, je vais ouvrir l'œil ! Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui ? Comment es-tu censé donner l'alarme, si t'es à peine capable de tenir debout ? Mes excuses, monsieur. Je suis à tout service. Si je vois la moindre chose suspecte, vous entendrez sonner la cloche, je vous le promets. Parlez à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein ? La clé par tous les diables ! Que quelqu'un m'apporte cette clé ! N'y a-t-il pas une seule âme sobre par ici ? Allez me chercher la clé de l'entrepôt ! Ok, elle est là-bas. Voler la clé. Viens ici. I didn't hire snails.
longer to this. Oh, help me, damn it! Il est là-bas. Good kick. Vite, 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 vite. I'm just a common, decent cull. Voilà. Hop. Sans pis. Waouh. Ok, mission accomplie. Allez, viens. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. On average side by side.